Aujourd'hui, je vais pouvoir vous expliquer sur les Linux. Ok. Je vais essayer un peu d'être... Bref, comme je vous avais dit, mon idée est de mettre, poster des vidéos pour faciliter les utilisateurs à mieux comprendre les systèmes d'exploitation Linux en français, car il y a beaucoup de recherches qui se font qu'en anglais. Merci. Pour ces temps ici, nous allons pas perdre le temps, nous allons évoluer. Voilà, je vais utiliser mon PPT que j'ai eu à préparer. Ok, comme ça vous allez avoir une idée sur ce que je vais expliquer. Voilà, la première chose, comme j'avais dit, le système d'exploitation Linux est un système d'exploitation à source ouverte. Ça veut dire vous pouvez développer quelque chose comme vous voulez, ok, avec le code source. Le concept de base dans le Linux, nous avons le kernel qui est le noyau, c'est-à-dire la gestion des entrées et des sorties, ordonnancement des tâches qu'on appelle les scheduler en anglais, gestion de la mémoire virtuelle. Ok, là nous sommes dans le concept. Donc, dans le concept de base, c'est ce que fait le kernel, le noyau qu'on appelle l'image de Linux, qui est l'anacone. Nous avons le shell, l'interprétation des commandes des utilisateurs ou d'un utilisateur, séquencement entre les programmes. Ok, c'est-à-dire lorsque vous faites des commandes, à l'arrière-plan, il y a quelque chose qu'on appelle l'interpréteur qui l'interprète. Toutes ces informations-là vont vers le shell et le shell communique avec le noyau. Si vous comprenez ces concepts de base, c'est là que vous allez comprendre que quand je fais une commande, ça me donne ces résultats. Ça veut dire il y a ça, il y a ça. Vous pouvez découvrir où se trouve le quack. Ok. Alors, l'application ajout, retrait à l'aide des paquets, développement modulaire pour partager les bibliothèques entre les applications. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'important. La philosophie des Linux. Vous savez qu'avant, il y avait le système d'exploitation Unix et puis Linux Torvald a voulu créer un système Linux pour développer sur la licence qu'on appelle la licence générale libre. La licence générale public licence. Ok. Alors, sur les Linux, tout est fiché. Tout est répertoire, comme tout le monde le sait, comme vous voyez. Ensuite, plus de 500 distributions sur les marchés. Chez nous, on ne parle pas système. Quel système d'exploitation Linux que tu utilises, non. C'est déjà les systèmes d'exploitation. Nous parlons maintenant des distributions dans les Linux. Ok. Ils ont un peu comme dans le kernel, dans les outils. Et la différence se pose au niveau du système de paquets, fichiers de configuration et fichier de démarrage. Voilà. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle le multitâche. Plusieurs processus s'exécutent en même temps. Les systèmes d'exploitation qu'on appelle le OS a le contrôle de tous ces processus. Ok. Or, vous savez comme moi, un processus c'est une application dans l'arrière-plan. Nous avons le multi-utilisateur où plusieurs utilisateurs peuvent se connecter au même moment, ce qui n'est pas le cas dans le système Windows. Je vais ici suivant. Voilà, ici je vais beaucoup insister parce que c'est très important pour que vous puissiez comprendre. Beaucoup de gens aujourd'hui travaillent sur le Linux, même les débutants, même les personnes qui sont au niveau moyen et les personnes qui ont le niveau avancé. Souvent vous racontez ce genre de problèmes. Vous ouvrez un fichier, vous faites var log message. Vous faites etc var tab. Vous faites var lib share. Vous faites usr share. Sbin var. Tout ça c'est quoi le sbin? Pourquoi on commence par sbin? Pourquoi on commence par var? Pourquoi on commence par... par boot, pourquoi, c'est quoi ces trucs? Vous devez comprendre. Une fois que vous comprenez ça, vous avez vraiment l'idée sur les Linux. Comme je vous avais dit, je vais mettre vraiment, je vais aller en détail, je vais expliquer des choses claires de manière à ce que ça va aider les gens à voir, à comprendre mon rôle sur la chaîne YouTube. Ok, bin, programme d'utilisateur essentiel. Ok, ça dit nécessaire au démarrage du système. Nous avons le boot, fichier nécessaire au chargement de l'Unix, le bootloader, comme le fichier qu'on appelle le grab, qui est comparable au Windows comme le boot manager. Il réside dans le répertoire boot. Nous avons ce que nous appelons le dev, fichier spéciaux offrant l'accès aux périphériques comme les disques durs, comme les USB. Ok, voilà. Et
ATC, ETC, configuration du système et des services. Les services comme le FTP, le service comme le Samba, le service comme le NFS, comme le Apache HTTP. Tout, souvent, leurs configurations vont toujours, nous commençons par ETC. Comprenez qu'à partir d'aujourd'hui, pourquoi on commence par ETC? Parce que ETC, c'est le répertoire qui contient les configurations de services. Et nous avons Home, répertoire principal des utilisateurs. Quand on dit principal des utilisateurs, c'est-à-dire les utilisateurs que nous créons. Car dans les systèmes d'exploitation Linux, nous avons un compte administrateur qu'on appelle root, qui est administrateur. Lui, son répertoire, ce n'est pas le Home. Home, c'est pour les autres utilisateurs que nous créons. InitRD, répertoire utilisé pour construire l'image, les RAM, lib, library partagée essentielle. Nous avons le MIT, il contient des points de montage temporaires. Si vous voulez attacher un CD, ou si vous voulez attacher un fichier, mettre dans un répertoire, si vous voulez attacher un USB dans un répertoire, vous pouvez utiliser le répertoire disponible MIT. Opt, application, TX. Et puis nous avons ce que nous appelons le PROC et le SIS. Dans le PROC, nous pouvons voir accéder aux structures internes du noyau comme le RAM, comme le processeur et autres. Et nous avons le root, comme je disais bien avant, qui est répertoire principal des utilisateurs. Ça veut dire l'utilisateur root, son répertoire et slash root. À ne pas confondre avec root comme slash, qui est très différent de ça, qui est une partition, ok, qui contient tous les, qui va contenir tous les systèmes d'exploitation et même les applications que nous installons résident là-bas. C'est pourquoi vous voyez, s'il faut faire une comparaison avec le Windows, le slash root est comme la partition C, le sbin exécutable du système essentiel. Nous avons ce qu'on appelle le temp, répertoire pour le stockage des fichiers temporaires. Nous avons le USR, qu'on appelle l'arborescence contenant plusieurs des fichiers, des applications, et puis voir données vivantes du système des applications. Voilà, c'est très important. C'est vraiment à retenir dans votre tête et avoir une idée. Une fois que vous maîtrisez ça, vous allez comprendre que quand on fait var log, message, quand on fait etc var log, on va où? Pourquoi on commence par var? Pourquoi on commence pas par etc? Parce que nous voulons faire quoi? Une configuration, nous allons faire etc. Nous voulons voir les informations d'une mémoire interne, nous allons faire le 4 proc. Donc voilà, donc ce sont des choses pareilles. Et les distributions Linux. Nous parlons des distributions Linux. Nous,